Et salut, salut à tous ceux qui regarderont la rediffusion de ce live. Ok, d'accord, j'ai mon retour. Excusez-moi. Bon, au moins, je sais que le son est bon. Le son du micro, c'est pas mal. Donc, alors, oui, bientôt la 3.18. Bientôt, bientôt. Alors bientôt, bientôt, caméra un peu de travers, dans quel sens comme ça? C'est plutôt comme ça en fait. Voilà, là, ah, je suis plus calé là. Voilà. Bon, alors, parce que j'espère que tout va fonctionner comme il faut, parce que là, je suis sur... Alors, ça se voit pas, mais je suis sur un nouveau setup, comme on dit. En fait, j'ai changé mon ordi de pièce, carrément. Donc tout a été débranché, rebranché, etc. J'espère qu'au niveau de mes contrôles, ça va toujours être bon. Alors mon dernier record, c'était 1 minute 03 et quelque chose, des patates. Ce qui serait bien, c'est que je passe en dessous des 1 minute, ou faire 1 minute, ou juste en dessous, quoi, en fait. J'espère qu'au niveau du... Étant donné que tout a été branché, débranché, j'ai rebranché les joysticks dans l'ordre normalement. Ça fonctionne, j'espère que je ne vais pas tout refaire, enfin, je ne referai pas tout au pire, de toute façon juste pour déjà l'entraînement au vol. Et puis après, au lieu de faire ça sur circuit, aller faire ça sur une lune. Hein. Pour voir ce que ça donne, j'espère que c'est mon joystick. Ça a l'air bon au niveau des joy. Bon alors du coup je suis froid, hein. Faut pas m'en vouloir dès le départ. Commencez, avant, arrière, droite, ah, bah c'est bon, impeccable, je ne me suis pas planté. Wow, impeccable. Allez, alors, faut pas oublier le shield. Non, le. Alors, je mets le menu juste pour voir si mon bouton fonctionne correctement en fait. Power, là, normalement, hop, ça passe tout. Voilà, c'est bon, le raccourci, il fonctionne tout sur les réacteurs pour avoir du boost. Allez, go. Donc, j'utilise toujours le limiteur de vitesse quand même, ouais, parce que sinon, c'est vite le plantage. Checkpoint. Alors, donc du coup, je suis froid. Putain, la vache. Ouais, je suis froid, là. Ouah, con. Allez, on se reprend. Le boost, c'est là. Ah, je suis super ultra froid, même. Hein. Allez. On y croit. Donc oui, je disais limiteur de vitesse. Parce que les fois, il faut... Enfin, pour l'instant, il faut. À mon niveau, il faut, en fait. Ce serait bien de faire, ouais, parce que c'est sûr, en virant le limiteur de vitesse et en gérant, c'est bon, la minute elle est pétée quoi. Alors là, j'ai fait n'importe quoi, j'avoue, mais je suis super froid, genre froid, hein. Faut vraiment pas m'en vouloir là. C'est le premier tour, faut vraiment chauffer. Oh putain, faut vraiment chauffer. Allez, on chauffe. On chauffe, c'est la chauffe. Alors les deux sticks, je m'y suis fait sur le circuit. Maintenant, je sais que en station, mettons juste pour se poser, un truc tout con, je sais que c'est plus compliqué en fait. Donc là, ça va. En même temps, j'ai commencé Star Citizen là-dessus, hein, il y a bien longtemps. Je sais plus quelle année c'était, devait être. Je sais plus en quelle année il est arrivé le circuit comme ça. Ça m'avait incité à acheter un Otas en fait d'ailleurs. Tellement je m'éclatais quoi, je me suis dit waouh. Augmenter un peu le limiteur de vitesse. Je fais n'importe quoi, c'est pas par là. Je passe trop haut là. Ah, mais puis en plus, j'avais pas remis après mon dernier plantage. Et ouais, j'ai pas remis la gestion de l'énergie sur le réacteur. Du coup, ah bah, du coup, forcément. Je me suis retrouvé sans boost très rapidement. Allez, c'est quoi, 3 tours? Est-ce que ça suffit 3 tours pour chauffer?
On va dire la question est vite répondue. Hein. Allez, on va augmenter encore un peu. Je suis quand même un 19. Hein. Après, c'est sûr, hein, sans se planter, on tombe vite en dessous des 1-15. Et là, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, si je. Je crois qu'il faut pas que je parle trop. Voire du tout. Allez, concentration. Voilà, déjà, hop, on n'oublie pas de remettre le boost sur les réacteurs. On augmente un peu le limiteur de vitesse. C'était pas beau ça. Eh ouais, c'était pas beau, c'était pas beau. C'est compliqué là ce matin. La vache. Compliqué, compliqué. D'où l'entraînement nécessaire parce que et je me mélange dans les ouais parce que j'ai pas encore en fait ouais j'ai pas l'habitude en fait des sticks, c'est le strafe up et down qui me pose problème en fait. Allez. Ouais, en fait c'est le strafe up qui est down, ce qui promet pour les des atterrissages d'anthologie là ça. Pour ça qu'après il faut que j'arrête le circuit quoi et que je parte vraiment une game on va dire en situ, voilà on va dire en situation. En même temps là c'est une situation tout putain mais c'est pas vrai. Ok, on le sait, c'est parce que je parle là. Là faut que je me concentre. Bon du coup là c'est un tour dans le vent, à la limite un tour de chauffe là. Je crois que j'ai mes joysticks qui sont pas bien placés en fait. Je travaille par rapport à mes joysticks, j'ai l'impression. Non, non, je cherche pas une excuse. Là, je passe n'importe où. Je suis passé n'importe où, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, j'aurais pu passer là à l'endroit normal. Mais... Oh non! Je vais y péter là. Je vais y péter, je vais y péter. J'ai perdu le sens. Vache. Eh ben, ça sera pas ce coup-ci. À une 10 quand même. Oh, j'ai touché. Checkpoint.
Non, non, non. Ah. Ah non, putain, une 8. Sur le boost, allez. Bon, la minute, elle va être dure à péter quand même. Oh non, mais... faut que je remette mes joysticks comme il faut. Allez, bon voilà, c'est foutu pour ce tour. Je sais pas pourquoi je l'essaye là. Pourquoi j'essaye de passer là? Je passe jamais là. Quelque chose quand même. Faut vraiment du temps pour chauffer. Faut chauffer la vache. En fait, il y a des moments où je perds mon curseur de vie. C'est un problème. En fait, du coup, je sais plus où est le centre. Je sais plus vraiment. Pas le curseur de direction, le curseur du centre de l'écran. En fait, je le perds. Checkpoint.
grand n'importe quoi là en fait. Je sais pas comment ça passe. Là j'ai perdu mon. Voilà, là j'avais perdu mon curseur, je sais plus dans quelle direction fallait que je pointe en fait. Ah, ça va pas passer, c'est pas vrai. Je suis tombé en rate de boost. Allez, on va continuer comme ça. Tomber en rate de boost, c'est chiant. Bon, là, ça va me fatiguer. Ouais, ça c'est des manœuvres que j'ai du mal à faire avec les sticks en fait. Pour l'instant encore. Avec la souris et le clavier, ça aurait été une manœuvre tranquille ça. Ah non, faut que je me concentre. Je suis pas concentré. C'est vrai qu'on dirait l'insigne des rebelles dans Star Wars. Là. Ah bah alors celle-là, c'est une première. C'est la première fois que je passe par là. Oh, une 3. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal, une 3, c'est pas mal, une 3-0-6. Je sais pas si je risque de reprendre le raccourci. Ah non, mais ça, c'est trop tard. C'était avant. Une 3, c'est pas mal. Mais il manque encore 3 secondes. Oh, bah, ce sera pas ce coup-ci. Non, mais la minute. Ou alors, faudrait que. Allez, je débloque. Ou alors, je débloque complètement. Alors là, c'est plantage assuré. Après, c'est à moi d'accélérer un peu moins aussi en même temps. Mais du coup, les freinages, en fait, il va beaucoup plus vite. Hein, oh, con la vache. Non, mais non. En fait, ça va beaucoup plus vite en dégageant le limiteur de vitesse. Mais pourtant, j'accélère pas à fond là. Je l'enlève, allez, hop, je l'enlève. Ah bah ouais, j'en trop vite. Là. Je le remets plus haut, mais je le remets. C'est pas la peine. Je crois qu'on va partir sur une lune en chill, parce que là, il va y avoir besoin de chill, je crois. Ça fait combien de temps? Ça fait 18 minutes que je fais que de la misère. Non, si, j'ai fait un tour 1-0-3. 1-0-3-0-6, quelque chose comme ça. Mon freinier, ça sert à rien quand même. En fait, là, j'ai essayé en freinant un peu plus, mais ça sert à rien de freiner. Là, il a freiné rien du tout. Là. Faut
freiner avec le boost. Checkpoint. 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 Et ouais, j'ai voulu passer dessous, j'ai voulu passer dessus, j'ai voulu passer dessus deux fois, n'importe quoi. Mais c'est quelque chose de fou. Ça doit être ma position de mes joystick, je pense que pas bon. Je reprends pas une position à zéro ou un truc comme ça. Ouais, c'est surtout que je fais n'importe quoi peut-être déjà. Avant de chercher des excuses. Ouais, je suis pas prêt de faire une minute. Bon, après j'ai augmenté la limite de vitesse, donc. J'ai baissé la limite de vitesse, j'ai augmenté, ça va plus vite, donc c'est oui. Si je veux faire en dessous d'une minute, il faut que je m'y fasse. Ici, à chaque fois, je perds mon putain de curseur en fait. J'ai mis dans... J'aime le panneau. Ah non, du coup, je vais me prendre le. Ah ouais. Oh la crise! La crise, la crise. Pardon, j'ai soufflé dans le micro. Top. Oui, puis je pars. Attends, je vous dis plus rien. Bon, 22 minutes, on va faire 30 minutes, et à 30 minutes, je... Non, à 30 minutes, je m'arrête, et je pars sur... en situation, parce que là, je commence à m'énerver. Alors après, on situe, ça va être 15 minutes de préparation, et au moment de me poser, me crash. Est-ce que ce sera ça? Je sais pas. Boost. Oh non. Checkpoint. 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 Bon là je suis à 1:16. Ouais, je vais trop vite. Checkpoint.
checkpoint. What? Bon, je vais boire. Je coupe le micro pour boire un coup. Je bois un coup. J'ai besoin de... Et on reprend. Alors, les shields. La limite de vitesse, c'est par là-bas. Bon, les moins de la minute aujourd'hui, ce sera pas la peine, on oublie. Voilà, mais là, il y a un truc qui se casse. Pourquoi je perds mon foutu curseur en fait? Enfin, je le perds de vue, hein, j'arrive pas à le retrouver en fait. Oui, mais en fait, mon joystick, il y en a un qui est pas placé, que je remets pas à zéro, faut que j'augmente la zone morte. Du coup, je suis obligé de le corriger à chaque fois, en fait. J'aurais pas cette boost pour passer. La crise, ça fait pas ce matin. Je vais passer comme d'habitude derrière. Ah bah alors celle-là, c'est la première. Ah oui, je les prends jamais des panneaux de signalisation. Bah là, je les prends. Puis si j'oublie de remettre le boost sur le shield, je me retrouve vite en vrac de shield de pas sur le shield sur la les réacteurs, je me retrouve vite en panne de jus, comme là encore, non, là je suis pas en panne de jus, je suis en panne de skill. Check.
Checkpoint. N'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Checkpoint. 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 Lap complete. Bon, je sais pas combien j'ai fait, mais ça va pas suffire. Checkpoint. Là, ça passe sans le boost, ça passe sans le boost, ça passe sans le boost, c'est passé sans le boost là. Ah, mais là, ça part passer ça. Faut que j'augmente la zone morte de. Alors, je sais plus quel axe c'est en fait. Keep binding, advanced control customisation. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je regarde flight movement, c'est le. Non, pour OTAS. Flight movement, alors, c'est pour le yo. Non, attends. Si, si, c'est pour le yo. Donc, contrôle. Joystick OTAS, c'est sur le deuxième. Dead zone. Y. A. Pourquoi j'ai le X en 20? Parce que le yo, il était. Allez, je retourne sur le truc. Ah, advanced control customization. Flight view. Alors, look. Non. Et pourquoi le look joystick OTAS? Mais non, je suis flight view, flight movement. Roll yo, si c'est ça, c'est le yo. Donc non, c'est pas le yo. C'est le roll X. Oui, mais c'est ce qu'il y avait. Ouais. Alors OTAS 2, le X. Dead zone. Tout à l'heure, c'était lequel? Alors là, il y a rien du tout sur celui-là. Celui-là encore ça va, dead zone, le X, je suis déjà à 0,24, je vais passer à 60. Alors qu'est-ce que ça donne? Oui, alors là c'est sûr que... Bon, on va voir, je suis pas sûr sûr. Hein. J'avais dit 30 minutes, on est à 31 minutes. Checkpoint. Disons que je fais un peu n'importe quoi si je me tais un peu. Checkpoint. Je fais un peu moins n'importe quoi. Checkpoint. 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 Lap complete. Checkpoint. Ouais, mais du coup, j'ai attaqué trop tôt là. C'est quoi ce passage de ouf que j'ai fait de n'importe quoi là? Checkpoint. 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 Ouais, 1 minute 2, 1 minute 3. 1 minute 3. J'ai fait des passages bizarres que j'avais jamais fait en fait, tout sans boost. Checkpoint.
Checkpoint. Checkpoint. Voilà, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va passer? Checkpoint. 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 Oh, une minute deux. Ah, 1:02.61. Ah, meilleur tour. Checkpoint. Moyen de faire mieux, on est d'accord, hein, mais. J'ai quand même battu mon record. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors que je disais qu'il était temps que je m'arrête. Checkpoint. 30 minutes de chauffe quand même. Checkpoint. 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 Oh non, 1:03 quelque chose. Putain, j'aurais cru mieux quand même. Checkpoint. 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 Ah, mais non. Checkpoint. Ah, du coup, je passe derrière. Ah non, je passe en plein milieu. Il y avait longtemps. Allez, il y avait longtemps que je m'étais pas planté. Tiens. Ça faisait quelques tours. Peut-être. Deux tours. Checkpoint. Dans le genre, je fais n'importe quoi. C'est la loi des séries, là. Checkpoint. Checkpoint. Lap complete. Checkpoint. Checkpoint. Je suis pas. En fait, je crois que je suis pas super content de ce. Mon Thrustmaster T1 OTAS, il est beaucoup mieux que le 16 000. Ah, le 16 000. Moi, je l'ai eu 10 euros sur le bon coin, donc ça va. Mais le Flight OTAS One, il est beaucoup mieux. Waouh! Bon, après, ça change pas que les skills. Mais le Flight OTAS One, on a un bien meilleur feeling de savoir dans quel sens vraiment est le joystick. Alors que le 16 000, des fois, il part. Je mets la main trop à gauche ou trop à droite. Et je ne m'en aperçois pas en fait. Checkpoint. Checkpoint. Ouais, non, mais j'allais dire, je vais taper du cul. Bon, t'as fini là? Tu joues alors? Est-ce qu'il vole toujours? Oui, bon. S'il vole toujours, c'est où? Sur une lune, après, oui, c'est cool aussi, mais checkpoint. J'ai essayé déjà et en fait, je fais n'importe quoi. Checkpoint. Enfin, j'avais pas l'habitude encore. Là, j'ai beaucoup plus l'habitude. Mais là, je fais n'importe quoi. Putain. Allez, je loupe en plus. Stand by for reintegration. He just
Non mais depuis tout à l'heure je suis de travers, il y a un truc qui va pas là. C'est ce, non franchement le T16000, c'est ça, de Trustmaster, pas terrible. J'ai un mauvais feeling en fait. Je sais pas si je suis trop. Ou alors faut que j'enlève l'axe carrément de... Parce que je strafe gauche et droite sans le vouloir. Du coup je suis obligé de corriger constamment. Moi j'avais dit 40 minutes. Moi, en plus j'ai fait mon record, j'ai fait 1 minute 2. J'ai gratté une seconde, 1 minute 2 quelque chose. Je sais pas si c'est pas 1 minute 2.06. J'ai gratté une bonne seconde. Il faudrait encore, encore 2 pour passer en dessous de la minute. J'ai touché. Oh, j'ai touché. Heureusement il est solide le... Titan. Checkpoint. Je vais prendre le panneau. Ah non, j'ai pas pris le panneau, mais je vais pas passer loin du panneau à mon avis. Checkpoint. 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 Dommage, j'ai fait des beaux passages. Bon, je passe comme avant. Ça me fait manger du boost, mais ça passe. Checkpoint. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est que les là, c'est bien joli. Hein, ça passe, mais au niveau des manœuvres. C'est pas du tout ça, ça va être compliqué de reprendre la main avec pour en faire des manœuvres comme avec la souris et le clavier. Checkpoint. Bon, j'étais à peu près concentré là. Checkpoint. Lap complete. Checkpoint. Checkpoint. Ah, en plus il bouge. Checkpoint. J'ai touché, comment j'ai pu toucher? Ah, j'ai touché parce que je suis allé trop loin. Je suis en correction constante. Checkpoint. 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 Ah ouais, je suis en correction constante, du coup je vais n'importe où. Lap complete. Checkpoint. Checkpoint. Non mais là c'était mérité.
Bon, 44 minutes, j'avais dit 30 minutes. Non, bah, ouais, ok, pas vu. Là, vu que j'ai pas vu. Chaque fois, j'ai peur de taper là. Checkpoint. Bah ouais, c'est parti là dans tous les sens, je sais pas pourquoi. Checkpoint. 57 secondes là. Ce sera pas là. Checkpoint. Lap complete. Checkpoint. Checkpoint. Bon. Un dernier tour. Allez, un dernier tour et après in situ. In game. Pas comme si là j'étais pas une game, mais on va dire dans le verse. On va dire dans le verse. Checkpoint. Bien que vu qu'il y a plus grand monde qui doit grinder, il doit pas y avoir beaucoup de balises, il doit y avoir. Checkpoint. Ça doit être en ce moment un peu spécial le gameplay. Tout le monde attend le wipe. Alors là, que ce soit passé, c'est un truc de ouf. Ou alors c'est un signe. Checkpoint. 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 J'ai touché le panneau. Voilà. Toujours peur de toucher le panneau. Checkpoint. 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 Mais ouais, mais je suis en correction constante avec ce joystick là. Non, en fait, il est... Je vais modifier encore la. Mais j'arrive pas à remettre, je me remets pas au bon endroit. Je me remets pas à zéro. En fait. Du coup, je contrôle. Hop, 1. Ça fait quoi, 1? Est-ce que je vais voir une différence? On va voir.
J'avais dit un dernier tour, ouais, mais il faut. Ce qu'il y a, c'est que si j'ai un problème avec le contrôle, forcément. Pour la course, ça va pas, quoi. Oui, là, ça a l'air. Oh, il bouge plus, en fait. Il n'y a plus le truc. Faut quand même que je le remette un peu. Hein, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça doit être un genre de 100%. Pas à mettre 80. Bon, arrête là. Allez. Exit tout menu. Terminé le circuit. Hein. Je peux partir sur. Mais on va voir dans le verse. On va mettre un peu de musique. Est-ce que le son c'est bon? Non, comment ça, début du live bientôt? Voilà, là c'est mieux. J'espère que le son est pas trop fort. Enfin, peut-être que je coupe la musique du jeu. Voilà. Hop, le clavier va par là. Bon, ben ouais, je suis en tenue de celui qui a essayé de voler sur une lune avec ses joysticks dont il n'avait pas l'habitude. Oh, ben ça va, il y a beaucoup de bonjours qui répondent aujourd'hui, tiens. Ça se voit que les mecs ils font pas de bunker.
Alors, comment ça va, les gars? Framerate un peu bizarre là, non? Ah, bah oui, 40 FPS. 30 FPS, c'est pas génial. La vache. Ah, il me demande comment ça va. Je dis ben voilà, je termine une session d'entraînement. Je vais renlever le truc. Ouais, tu as combien? 40 FPS. Ça sature dur, dur à 40 FPS. D'habitude, là en station, je suis quand même à plus. Pas génial. Donc, on va revirer ça. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Un petit machin, hein, on s'en fout. Hein. Si la dernière fois j'ai acheté du coup le truc de course. Prendre un truc de course, c'est n'importe quoi. Je vais prendre le C8, ça sera très bien. Your insurance claim has been sent. Your vehicle has been moved to our storage facility. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered. Ouais, FPS, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment est mon retour? Est-ce que je regarde ce que donne mon retour? Il y a la musique? Normalement, il y a la musique. Hein. Oui, il y a la musique. J'espère que le son c'est bon. Encore une fois, c'est toujours le stress du son, ça. Savoir si. Ouais, si ça a l'air bon au niveau du son. Alors, hop, 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 hop. J'ai dit Hangar 4. C'est quoi ces FPS de nous? Bon, tranquillou là, avec le. Bah, de toute façon, ouais, voilà, il faut que je m'entraîne à atterrir et à décoller en fait. Le strafe up et down, quoi. Donc. Le C8 pour ça, il est très bien. C'est juste que ça va prendre un moment entre chaque essai, chaque crash. Oui, là, ça sent quand même qu'il y a la zone morte, parce que là. Oh la vache, eh oui, j'ai essayé de voir quand je mets à fond, voir si j'allais à droite, mais quelle idée de mettre à fond dans un hangar. Faut quand même être con. Ça, normalement, c'est rien du tout. Ça, c'est le train d'atterrissage. Ce qu'il y a, c'est que. Est-ce qu'on peut mettre une. Il va falloir que je trouve pour pouvoir mettre une vue extérieure
pour faire quelque chose d'un peu plus... Voilà, les limiteurs de vitesse, là, je le dégage. Pour pouvoir faire des plans un peu stylés, quoi, en vue extérieure, en fait. Donc on va aller... ah non, sur une lune. Magda. Allez, Magda. Réfugié 34. Voilà, on va aller à l'endroit où il fait jour, ce serait bien. Bah voilà. HDMS Han. Allez, limiteur de vitesse, on l'enlève. Nom de Dieu, mais... Je vais finir par me planter direct, c'est vrai que... Waouh, en fait on n'arrive pas haut là, c'est vrai que c'est une lune, j'ai l'habitude à chaque fois de Hearthstone ou quoi. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah, c'est vrai que c'est une lune du coup. Il freine pas, il va pas beaucoup freiner lui en... Wow, ça va être... Je pense qu'il faut que je mette le limiteur de vitesse pour commencer. Hein, doucement. M'habituer au strafe-up et tout. Ouais, ben voilà, c'est ça le problème. Je suis encore avec ma blouse. Bon, j'ai besoin d'un petit AFK. Je reviens.
Et me revoiler, voilà. Yo. Ah, ça roule pas ce truc. Alors. Ah, j'enlève le AFK café peut-être. Je l'oublie souvent celui-là. Bon pour le son. Il y a des moments, ça me semble super faible, je comprends pas en fait. Bon, je vais monter un peu, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça pour la musique. Bon. Espérons que ça suffise, que ce soit mieux. Bon, de toute façon, pour aller se planter sur une lune. Ouah, FPS en vrac. Ah, franchement, le serveur là, waouh. Et on est 300 ou quoi dessus là? Pourquoi je vais là? Je vais regarder là à chaque fois. Ouais, déjà, ça c'est pas bon signe. Ça rame la vache. Je vais retourner sur le circuit là. Alors, Pisces Expedition. Ah mais c'est ouf. Ça rame. 8. Ça rame. Pas s'ouvrir tellement il rame. Bon, on s'en fout, ferme pas. Quoique si, faut que je ferme là. Comme je suis habillé. Hop, alors, joy en main. De toute façon, le limiteur de vitesse, je vais le remettre. Non, pas ici. Magda. Mon cadavre, il y est d'ailleurs. Est-ce que je l'ai d'ici quelque part? Ou faut que je fasse par la carte qui va sûrement pas vouloir encore me mettre. Ah, c'est bon, je l'ai. Il est là. C'est
c'est ouf comme ça rame. C'est un serveur saturé ou quoi? Moins, je crois que ça veut dire bon, salut ça en allemand. Donc, de toute façon, c'était mal parti tout à l'heure quand j'ai Rescue Bacon. Ouais, mais là, je vais me planter si je vais chercher ton Rescue Bacon. De toute façon, avec tout le monde là, il y est déjà plus le temps de. Ouais. Ah, si, Medical Rescue. Quoi, personne va le chercher son truc? Quand même. Bon, allez, on va faire un deuxième cratère. Probablement. Donc on enlève le limiteur de vitesse. Là, il y a des montagnes, on va aller voir. Quoi? Qui c'est qui parle là? S'il veut. Où? C'est qui lui? S'il veut. Non mais moi je fais pas de mission, pas avec mon C8. Ça va pas le faire là. Carter, Pilar, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, il doit y avoir des hostiles, méchant C8X, ça va pas le faire. Là. Enfin, c'est pas ma mission de toute façon. Pas piquer la mission de quelqu'un. Ah, là il y a quoi? C'est un hostile? Je sais même plus les touches que j'ai mis pour cibler et tout, j'ai pas regardé encore ça. Est-ce que c'est un hauleur? Caterpillar, ouais, il faudrait que j'évite d'aller me. Ah bah, limiteur de vitesse là, tiens. Faire un peu de manœuvre, mais ouais. Compliqué avec le. C'était facile en fait avec le joystick, le manœuvre. Avec la souris, le clavier, les manœuvres. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Faut quand même tout reprendre à zéro. Juste y tourner autour bêtement comme ça là. Bon, sachant qu'en plus il avance même pas. Il y a quand même quelqu'un qui a pris la. Le beacon, ouais. Bon. Bah lui il bouge pas, il n'y a pas d'hostile. Bon, ben bonne route alors. Allez, on va aller voir là-bas en bas. Je le sens pas bien encore. Ouais, ça a rien à voir avec le circuit. Le circuit, c'est pas une histoire de connaître le. De connaître en fait. C'est que. Parce qu'on peut se mettre dans n'importe quel sens pour juste passer la porte. Là, il y a quand même un axe dans lequel faut absolument pas aller si on veut le bas quoi. Donc peut-être le limiteur de vitesse, hop, et puis à quelle vitesse, je sais pas. Ça, voilà, la vitesse recommandée par l'UE. Parce que le strafe up, en fait à chaque fois qu'il faut que je strafe up, faut que je réfléchisse, donc il y a un temps de latence. Alors qu'avec le clavier, ça faisait pas du tout ça, quoi. Avec le clavier, c'est beaucoup plus instinctif. Il y a une main, ça va, la main droite, mais c'est la main gauche en fait. Hein. La main gauche pour le strafe up et le down, c'est plus compliqué. Alors forcément, là, ça va pas vite. Hein. C'est Pépé qui part faire les courses là. Bon, on va quand même un peu augmenter. Ce qui est que là, c'est facile, c'est une plaine, il n'y a rien. Donc si tout à l'heure j'ai voulu passer entre deux montagnes, ça a fait boum. Pourquoi je choisis toujours les lunes où il y a des tempêtes là? Quoi, il y a quelqu'un? C'est le caterpillar de tout à l'heure.
Ça m'énerve cette tempête là. C'est sûr que pour faire ça, faudrait que j'aille à Microtech. Microtech, c'est plus joli. Bon, il y a une atmosphère aussi, du coup. Bon, on va augmenter un peu la vitesse. Allez. C'est pas un peu. Ça, c'est beaucoup, mais bon. Quoique, je pourrais presque mettre le cruise control. Aussi, du coup, j'aurais pas besoin d'accélérer puisque je laisse tout le temps accélérer. Le principe là, ça va être d'éviter quoi. M'énerve ces tempêtes, ça bouffe le framerate là. Bon, bah, au prochain crash, je change de planète en fait. Ça rame trop là. Là je suis allé un peu proche là. Plus proche que ce que je voulais, j'avoue. Ah, il n'y a plus rien là. Partir plus loin. C'est pas terrible ce coin. Facile, mais c'est pas ce qu'il y a de plus joli quoi. Microtech, ce serait mieux, c'est sûr.
Ah, ça rame, ça rame. Quasiment ça frise même des fois. Je sais pas si c'est pas cette poussière qui fait ramer là. Enfin, déjà le serveur il rame de toute façon. Faut que je change. Prochain cratère que je fais, je change de serveur et de planète. De lune quoi. Déjà, il y a un moment que je me suis pas planté, c'est pas mal. Pour augmenter la vitesse. Allez, j'augmente un peu. Hop. Ce qu'il y a, c'est que le framerate il suit pas, alors c'est pas génial. Oh, ça passe pas, ça passe pas. Ah, si, c'est passé. Ah, ça passe pas. Oh la vache. C'est passé, mais. Bon, déjà, j'ai eu le bon réflexe. C'est ça le truc. Je commence à avoir les réflexes. Pour le strafe-up, quoi. Là, c'était chaud, quoi. Dans cette formation rocheuse. Parce que quand il n'y a pas grand chose, c'est quand même facile. Et là on cherche. Et on cherche un peu la difficulté. Le problème c'est le framerate. Ça c'est un problème quand même. Alors là, je dois être à 25 FPS, là, c'est pas possible. Ça passe pas. Boum. Bon, je pense qu'il faut changer de serveur. Là, ouais, bon, alors, j'ai pas eu le temps, mais ça rame là. Ça rame, ça rame. Faut changer de serveur.
À la limite de planète aussi, de lune. Bon, j'ai pas envie d'aller à la Microtech à la limite. Enfin, si, j'aimerais bien aller à la Microtech. Mais pas avec le C8, quoi. Ou alors, s'il faut que j'aille là-bas avec un autre chip et que je le claim. Alors, mais ça rame déjà rien que là. Allez, hop. Exit to menu. Pas la peine. Faut changer de serveur. C'était mort ce serveur. Est-ce qu'il va me mettre sur le même? J'ai pas regardé les noms des noms sur le chat. Ça doit être rapide à charger. Le NVMe qui fait bien son boulot. Eh ben, c'est pas très rapide en fait, non. Bon. Voilà, on est dans une petite pièce. Mais déjà. Je regarde, allez, pour la science. Bon, ben là, ça semble pas mal, 55 FPS. Est-ce que ça va rester comme ça une fois que je serai en bas? Tout à l'heure, j'étais à 40. Est-ce que ça va chuter? Combien il y a de. Ouais, 40, ça a bien chuté quand même. 45, 44, là, forcément ça frise un peu. Ouais, 40. Bah, bon, je sais pas, c'est mon ordi qui rame aujourd'hui alors. Ah, c'est mieux quand même. Si, tout à l'heure j'étais à 39 et choses comme ça là. Est-ce que c'est un serveur avec 12 personnes? Non, 101. Bon. Allez, on enlève ça. Parce que ça sert à rien de se prendre la tête sur les FPS. Si elles y sont, elles y sont. Si elles y sont pas, ben, c'est pas de les regarder qui va les faire apparaître. Bon, sauf quand ça ramait dur, dur, dur. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais ailleurs? Quelle lune je pourrais faire là? Aberdeen, c'est pas la peine. Ita, ça ressemble à quoi déjà? Ouais, c'est Ita. C'est Aberdeen, c'est pas la peine. Et l'autre, je sais plus ce que c'est non plus, c'est pas la peine. C'est l'atmosphère pourrie, on n'y voit rien. C8. Là, ça rame là. Bah, j'ai un truc à mon ordi alors. Eh non, je l'ai pas appris. C'est d'avoir tout changé, bougé. En même temps, il n'y a pas de raison, j'ai juste débranché, rebranché. Hangar 3. Hangar 3, toujours avec la tenue du gars qui a vachement confiance, hein, qui sait très bien qu'il va y laisser, il va y laisser des morceaux. Ah, là, ça tourne. Ça tourne et puis d'un coup, ça frise. Super. Est-ce que c'est quelqu'un qui a réparé son. Parce que quand. J'ai un pote, quand il répare son Hammerhead, ça fait ramer. Ça fait ramer. Alors, faut pas que j'oublie où être fermé la porte parce que avec ma combinaison de malade là, je risque de claquer pendant que je suis sur le siège de pilotage. Alors, hop, hop, ça rame. Ça rame, ça freeze, c'est catastrophe. Donc j'ai dit que j'allais Ita. Ita, Ita, Ita. Ita. Je me souviens pas de à quoi ressemble. Bon, je vais le faire avec la souris là. Je sais plus à quoi ressemble Ita.
Magda, c'est pas mal, mais la tempête, elle a commencé par me. Il y a toujours des tempêtes partout, de toute manière. C'est. Ce qu'il y a, c'est quand il n'y a pas trop d'atmosphère, normalement, les tempêtes, il n'y en a pas beaucoup. Ou elles sont faibles. Oh là 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 là. Désolé pour l'instant, diapo. Enfin, plutôt. Aujourd'hui, c'est quoi, PowerPoint. Parce que diapo, aujourd'hui. Connaissent plus les jeunes, les diapos. Donc pour faire des plans un peu ben, stylés, extérieurs, il faut quand même rester avec la souris. Hein. Parce que... Ah quoi qu'avec le joystick ça marche. Ah oui ça marche avec le joystick. Donc faut que je mette une touche pour la sortie en fait. Ah oui ça marche avec le joystick. Bon, ben, c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a sur Ita? Ah oui ça a l'air... Lunaire. Ça a l'air lunaire. Il y a quoi là? Ça, il doit faire jour là-bas. HDMS Woodruff. Bon là, il n'y a pas d'atmosphère. Hein. Si, il y en a une, mais c'était nu. Hein. C'est tout petit quand même. Du coup, en théorie, normalement, il ne devrait pas y avoir de tempête hein, sur une atmosphère comme ça. Dans une atmosphère comme ça. Ça rame, hein, la vache. Bon, où est-ce qu'il y a des montagnes? Ouais, si, là, ça a l'air d'aller. Alors, j'enlève le limiteur de vitesse. Non, je il faudrait peut-être que je le mette quand même. Si, si, je vais le mettre, mais je vais le mettre élevé, élevé, entre guillemets. Voilà, là. C'est quoi, c'est les trois quarts? Les trois quarts sur cette lune, sa petite atmosphère, je sais pas ce que ça va donner. Bon, c'est peut-être moins rouge que. C'est quoi, c'était Magda avant? J'allais dire, il y a des arbres, mais non. C'est des formations rocheuses exprès pour si tu veux t'entraîner pour te rappeler que pas voler trop bas. Du coup c'est pas le mieux en fait. C'est pas le mieux, en plus ça fait plein de trucs qui pop à quelques centaines de mètres. J'ai touché. Il est tout rouge le. Il est tout rouge le C8. Mais j'ai touché. Il faudrait que j'aille. C'est où qu'il y a ce circuit? Je suis jamais allé. Enfin où les mecs ils font le circuit là à chaque fois là. Je sais pas où c'est. Parce que c'est que si c'est un endroit qu'il faut un quart d'heure pour y aller ou quoi et qu'à. Non mais il y a encore une tempête. Sérieux, faut arrêter les gars avec les tempêtes partout, avec des atmosphères où il n'y a pas d'atmosphère. Pas d'atmosphère, il n'y a pas de tempête. Ah, il fait du bruit maintenant le C8. On va casser le C8. Ouais, mais non, mais ça clignote et tout là. Ça me fatigue. C'est chiant quoi. Microtech, j'y vais, pareil, ça va être une tempête de glace de toute façon. Hearthstone, pas la peine d'en parler. En fait, il y a des tempêtes partout. J'ai 20 FPS là. Enfin, je sais pas, pas 20, mais c'est moche du coup. C'est moche, c'est un peu plus compliqué quand même avec ces FPS là. Bah,
y a moins d'atmosphère qu'à sur Magda parce que je vais quand même, j'ai l'impression d'aller quand même vachement plus vite là. Bon, il n'y a pas trop de montagnes, enfin c'est entre guillemets, donc ça passe. J'ai touché tout à l'heure, mais là pour l'instant, parce que là si je touche, ça fait boum. Mais les FPS sont pas là, ils sont pas au rendez-vous. Il y a des fois, hop, pendant une fraction de seconde, oui, j'ai plein de FPS et puis après il n'y a plus rien. Du coup, c'est un peu, c'est pas simple quand même. C'est un truc comme ça que j'ai tapé tout à l'heure. Ah là, ouais. J'ai cru que non, et puis il a pété un peu après. Quelle planète je pourrais, sur quelle lune je pourrais aller? Sur quelle lune? Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Bon, j'ai pris un véhicule de course là ce coup-ci, pas de C8. Mais faudrait quand même que j'aille peut-être ailleurs. Est-ce que. Quel hangar là? 4. Est-ce que. Ça doit pas avoir des gros quantum ces trucs. Je l'ai pris qu'une fois. Une fois, je me suis planté 2 minutes après. C'est là que je me suis dit, bon, faut que je passe, faut que je parte sur circuit. Pour me faire au pilotage, au joystick. En fait. Eh ben, est-ce qu'on peut aller à Microtech avec ça? Oui, mais non. Non, je peux même pas y aller. Ouais, j'aurais dû prendre autre chose. Bon, bah, je vais aller ailleurs alors. On va retourner sur Magda. De toute façon, avec celui-là, je vais faire un trou rapidement, je pense. Ça, c'est ouvert, c'est bon. Ouais. Avec la souris, là, ça sera plus simple. Il y a une meilleure vision que sur le C8, ça part un peu sur les IVD. Hop, alors là on voit que j'accélère, je ralentis. Le strafe droite et gauche avec les pieds. Alors l'accélération, ça, il n'y a pas d'animation, ça. Et on va aller sur Perlman. Il doit faire jour là-bas. Encore, s'il lui arrive.
pourquoi il interrompt à chaque fois. Donc, hop, ah oui, ben là, du coup, le joystick, ça marche en vue. C'est pas très fluide. Hein. Donc, nous voilà de retour sur Magda. Ah oui, c'est pas le C8, ça, attention. Ça va carburer le truc là. Limiteur de vitesse. Tout à l'heure avec le C8, j'étais quoi? J'étais à 350, 360 mètres secondes, je crois, quelque chose comme ça. Je vais mettre la même vitesse. Du coup, lui, il doit réagir peut-être mieux, je sais pas. Parce qu'il doit pas faire qu'avancer. En tout cas, il est sûrement moins solide que le C8. Ouh, là, je suis à 420. Comme ils disent dans le coin, 20. J'ai le bruit du... Voilà, j'avais le bruit du Quantum Drive. Je vais pas m'amuser à regarder le chat. Alors au niveau des FPS, c'est pas mal. Il y a pas de tempête. Ouais, il y a pas de tempête déjà, c'est pas mal. Oh, j'ai cherché. Ouais, j'ai cherché. J'ai cherché la merde. C'est dans une vallée là, ça va être compliqué. Là. Enfin, faire du Razmot et la vallée et la totale, c'est bon. C'est plus facile les hélicos sur Flight Sim. Peut-être qu'il réagit mieux que le C8 en fait. Lui. Alors, je m'étais pas fait chier, j'avais pris le C8 hein, parce que je me doutais bien que ça changerait pas grand chose. Quand on sait pas piloter, on sait pas piloter. À la limite, c'est plus facile de se planter avec un truc de course. Mais là, en mettant le limiteur de vitesse, peut-être que je peux bénéficier de sa réactivité. Oh, si j'ai des frises en plus, ça va pas m'aider. Bénéficier de sa réactivité, ouais, c'est, ouais, il est beaucoup plus réactif. En fait. Ça, c'est sûr que c'est mieux. Sauf que moi je suis pas réactif. C'était pas trop mal là, au niveau FPS. Pas trop trop mal. Pas trop dégueu. Sûr, faudrait, ça serait bien de pouvoir respawn au sol. Sûr qu'avec je sais pas quoi, un carac. Ou un 890, je le garde à côté d'une, mais j'ai aucun des deux. Voilà, la FPS, la vache. Le garer à côté d'une station, comme ça je repop sur le ship, je vais vite à la station et je sors un petit vaisseau à la station. Est-ce que ce serait plus rapide? Probablement. Sauf que j'ai pas. C'était quoi déjà? Sauf que j'ai pas de vaisseau qui permette de ripop dessus. Ah, oh, mais faut attendre 2 minutes. Bon, ben FK 2 secondes, je vais mettre une bûche dans la cheminée, j'arrive.
Et me revoilà, voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Ça claim. Donc, du coup, le Razor. Retrieve. Bon, j'en pars sur Magda. Ou alors, j'aurais dû prendre autre chose. Oh. C'est une PC, ça? Non. Donc, serveur qui est pas terrible encore, j'ai l'impression. Hangar 3. On va retourner sur Magda, puisque je. Ou alors j'aurais dû prendre un autre truc, mais bon, c'est trop tard. Magda. De toute façon, c'est pour se planter au bout de 2 minutes, alors. Si, faire peut-être Microtech. Mais Microtech, c'est pas avare en tempête non plus. Tempête de neige. Après, il y a peut-être une lune sur laquelle ça a plutôt tendance à se faire. Mais j'ignore laquelle c'est. Allez, tu démarres. Je peux décoller, s'il vous plaît. Donc, un tour sur Magda. Alors, Magda, hop. Et il m'a fait une route. Ça va être ouvert là. Je vais faire avec la souris pour commencer. Il veut que je passe par là-bas. Si le framerate est bon, déjà. Ce sera pas mal, ça me fera une excuse de moins pour dire que je me suis planté. Mais là, c'est mal barré. C'est mal barré. Si je me tape pas une tempête encore. Enfin, il y en a toujours. Après, il y a, ouais, il y a sûrement d'autres lunes. Une lune plus appropriée, je sais pas sur lesquelles. Céline, peut-être, par exemple, je sais pas. Faut que je regarde. C'est vrai que là j'ai fait beaucoup de circuits. Enfin beaucoup. J'ai fait quoi de circuit? J'ai fait 2h30, 3h de circuit. D'une certaine manière, je commence à m'y habituer. Bon là c'est pas dégueu. La prochaine étape, ça va être d'arriver à faire des manœuvres, atterrissage, machin, des trucs propres. Avec le clavier et la souris quand même. Passer à des endroits, faire demi-tour rapidement, se poser, machin, c'était instantané. Là je suis pas encore du tout. Pas du tout chaud pour ça encore. Se déplacer à haute vitesse, oui ça va, mais après les manœuvres, prendre l'habitude du strafe gauche, haut, droit, machin. Après il y a aussi qu'avec, je pense que les manœuvres, les toutes petites manœuvres lentes on va dire, enfin pas lentes mais très serrées, très, ça c'est mieux avec le clavier et la souris je pense. Enfin je sais pas, c'est parce que je me suis pas encore lancé dessus quoi. Allez. Donc la vitesse, je sais plus ce que j'avais mis.
Est-ce qu'il faudrait pas que je change de lune? Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location.
Ah, peut-être j'ai oublié de remettre mon micro. Je disais, je me suis planté dans le quantum de celui-là. Il est un peu plus rapide. Il est plus rapide que celui d'origine, mais c'est pas le bon. Vivement le wipe. Parce que le changer maintenant, j'ai même pas envie de me prendre la tête à le changer en fait. Même si le wipe c'est pas demain, ça serait trop beau. Bon, la moitié de fête. Bon, je mets mon point de respawn à Port Wrestler. Je change de ship. Parce que le Terrapin, c'est peut-être. Il est nul. Là, pour ça, là, lui, avec ses micro-réacteurs, c'est pas la peine, quoi. Quoiqu'il est peut-être maniable, à la limite. Alors, Port Wrestler, est-ce qu'il va être en visu? Évidemment, non. Sur quoi je peux partir là, ça? Censé être par là. Quoi, je l'ai toujours pas? Port Wrestler, je suis allé de l'autre côté en fait. Toujours pas autant. Si. Ah bah ça va être le moment de ça va être le moment de mettre à l'épreuve du coup le bon j'enlève la limite un peu de pilotage in space voir comment je m'en sors probablement mal. J'avais mis raccourci sur le joystick pour l'autorisation. Ça va mettre ça. Please proceed to assigned landing bay.
Bon, pas hésiter à mettre le limiteur de vitesse là. Bon, c'est moyen. Quand même. C'est moyen. C'est pas aussi sûr que ce que je faisais avec la souris et le clavier. En même temps, j'en ai fait quelques-uns. Là, celui-là, c'est quoi? C'est le 2, 3e, 4e. J'ai même le premier en garage. À chaque fois, c'était quoi? C'était. Enfin, en garage horizontal. Après, il y avait en garage verticaux, c'était sur les Verus Arbor. Donc, on change le point, le rest point. Est-ce que je le rentre? Oui, je vais le rentrer de toute façon. Je vais rentrer, claim un truc, claim le razor. Voilà, hop, ça c'est bon, et le terrapin, on le rentre. Ensuite, le point de spawn. Pour aller s'amuser sur ce circuit. Non, pas la pharmacie, une séance. Regeneration. Confirme. Voilà. Et hop, ça c'est fait. La jolie vue. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Il en est où? Encore 45 secondes. Allez, hop, retrieve. En gare 1. Toujours avec l'habit de celui qui est très confiant. Il faut aller sur Rayari McGrath Research Outpost. You are clear to launch. Et donc c'est sur Clio.
Je sens que je vais pas faire long feu. Thank you. And please visit again. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est ça. Allez, évidemment, il va faire nuit. Donc le truc, on doit le voir depuis le... Ah quoi que non, il va faire jour. Ah, il va faire nuit. Apparemment, ça se voit depuis très haut. Ah bah oui, voilà, le voilà. Cool. Cool, hein, ça sera pas plus, sera pas plus long que d'aller se perdre sur Magda tout à l'heure. Ça, c'est bon. Ah ouais, alors attention, là, le limiteur de vitesse, il va falloir le coller, je crois, parce que... C'est la première fois que je viens là, en fait. Ça a l'air très cool, hein, forcément. Ce qui est très cool, c'est que c'est super accessible. On y est tout de suite. Bon, en même temps, heureusement, hein, parce qu'un truc sur lequel on est bon pour mourir, toutes les limiteurs en marche. Et puis, ben, va falloir faire du repérage. Faut passer où là? Ouais, je vais passer par-dessus hein, pour commencer. Ouais, c'est cool. Ah, c'est vrai que j'ai vu plusieurs plein enfin plein j'ai vu plusieurs vidéos là, je me disais que avec mon clavier et ma souris c'était pas génial de toute manière de faire du pilotage. Ça passe là? Ah, c'est passé. Je prends des risques parce qu'en fait il faut quand même revenir après en cas de crash. Descends, monte, aïe, 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 aïe. Ah oui, il y a des passages, faut vraiment, faut pas avoir peur, quoi. Ouah, enfin bon, heureusement que je me suis quand même... Et là, vous passez où, là? Heureusement que je me suis un peu... putain, il y a des passages, non, j'ai pas le courage, là. Ça frise, ça va pas m'aider. C'est sûr, c'est franchement cool en fait. Oui, ça passe là. Ah bah tiens, là.
c'est que vu que je connais pas du tout, ben je suis un peu là pour tout. Oh, je sais pas comment il a pas explosé, il est pas si comme quoi, il est pas si, il est même pas rouge. C'est pas la zone qui fait ça quand même. Je sais pas comment ça se fait qu'il j'ai même pas une trace rouge et puis comme quoi, pourtant ce truc il est en entre guillemets en carton. Là, là il a commencé. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah si, il en manque un morceau. Non, arrête de tourner. Il en manque un morceau quand même. Bon, de toute façon, pas pour l'aérodynamisme qu'il a ce truc. Enfin si. Mais ça doit pas le trop, je suis sûr que ça ne gêne pas. C'est où là? C'est là-bas. Non, mais... Bon, je commence à repérer un peu le circuit. C'est là que j'ai tapé tout à l'heure, je crois. Mais non, mais descends, nom de Dieu. Ah, mais pas tant que ça.
Oh, j'ai cru que j'allais me payer le poteau là. Le machin. Oui, c'est peut-être parce qu'il en manque un morceau qu'il a réagi bizarrement. Là. Ouais, ça pète quand même. Allez, un dernier essai. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ça fait un moment que je suis dessus, là, quand même, hein, mine de rien. Ça fait combien? 2h30? Bon, j'ai pas fait 2h30 de ce circuit-là. Mais maintenant que je connais ce circuit-là, c'est sûr que... Alors, ce que c'est que je suis à Port Tressler. Qu'est-ce que je prends? Pas envie d'attendre les 2 minutes là. Je vais le claim pour la prochaine fois. Là, je vais prendre un truc simple avec n'importe quoi. De toute façon, le circuit et tout, on s'amuse avec n'importe quoi de toute manière. Le C8, ce sera très bien. Voilà. Allez, C8. Bon, il sera peut-être moins réactif que le Razor. Non. J'étais parti sur le terrapin là, en tête là. Qu'est-ce qui s'est mal parti ça. Allez, un dernier essai avec le C8 jusqu'au prochain trou, au prochain cratère. Direction Clio. J'ai dit direction Clio. Bon, c'est pas trop loin, heureusement. Après, c'est sûr qu'en Arena Commander, c'est beaucoup plus rapide. 2 secondes de respawn, c'est pas la même. Donc, alors tout
tout à l'heure, il y avait... c'est là. Évidemment, c'est quand je m'entraîne à ça qu'il y a du monde qui demande de l'aide, des rescues. Bon, heureusement, les gens vont répondre sans problème. Alors, le circuit. Bon, ça sert à rien de le regarder de haut. Enfin, on voit bien que si il y a genre une entrée là. On va dire c'est les stands. De toute façon, il n'y a pas de... Non, c'est une sortie ou une entrée parce qu'il n'y a pas de retour en fait. Et il y a deux passages différents. Non, attends. Un, deux, oui. Tac, tac, tac. Après, il y a le sens. Dans quel sens je le faisais tout à l'heure? Dans quel sens je le faisais tout à l'heure? Eh oui. Bon, on va le faire dans un sens et puis on verra bien. Limiteur de vitesse. Quand même. Oh, j'allais dire, je vais me planter direct. C'est ce que j'ai fait hier à un moment... Ou avant-hier, je crois. C'est pour ça qu'après, je suis parti sur le circuit. Alors, oui. Il réagit différemment quand même, le C8. Oh la vache, monte. Bon, en fait, il réagit beaucoup moins bien. Tiens, je vais baisser le PC. C'est vrai que le Razor, il est peut-être quand même un peu fait pour ça. Bon, j'avais dit un essai. Allez, c'est bon, terminé. C'est bon, ça suffit. J'ai la dose. Allez, fin du stream pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui regardent cette rediffusion. Et merci à tous ceux qui l'ont suivi. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui est... Hop, 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 il est là, le bouton. Hop, follow ou...